On a tous déjà connu une grosse rupture dans notre vie. Je parle de la vraie rupture, celle qui fait vraiment mal. Quand je dis tous, en fait, pas vraiment. Les femmes, par exemple, ne peuvent pas se rompre le frein. Pareil pour les poupées, les peluches, tout ça. Bon, il y a forcément des personnes qui se demandent... Vas-y, c'est quoi la rupture du frein? Je m'en bats les couilles, moi, j'ai pas le permis. Rien à voir avec le frein de la voiture. C'est plus avec le zizi. Enfin, le prépuce, quoi. C'est un peu comme si cette chose était ta bite. Et ça, ta nouvelle bite. En général, ça arrive soit après un petit plaisir, un peu beaucoup trop... Soit après une relation intime avec ta partenaire. Aïe! Attends. Moi, j'ai choisi la deuxième solution. Oui, parce que j'ai une copine avec qui je n'ai rien pu faire pendant 3 semaines. Grâce à la... rupture du frein. Oui, parce que juste après, en fait, je suis allé aux urgences. D'ailleurs, c'était la première fois que j'y allais. Et j'étais vachement confiant. Je pensais que ça allait se passer comme dans la série. Vite, emmenez-le au bloc opératoire. Oh my god, rupture du frein. Alors qu'en fait, pas du tout. D'abord, quand t'arrives, bah, tu fais la queue. Et t'attends. Longtemps. Très longtemps. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est enfin ton tour. Et là, tu dois expliquer ton problème. Parce que quand tu te pètes le frein, bah, c'est pas forcément écrit sur ta gueule. Contrairement à un mec qui a pris une balle dans la tête et qui, lui, n'a pas trop besoin d'expliquer son problème. En général... Bonjour, voilà, je vous explique mon petit souci. J'ai pris une balle dans la tête. Bon, c'est un petit peu douloureux, ça pique. En plus, j'ai fait ça bêtement. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, vous faites la queue, monsieur, comme tout le monde. Je fais la queue. C'est là-bas? Non, c'est là-bas. C'est là-bas. Merci, bonne journée. Salut. Encore une chochotte. Aux urgences, toute la journée, il y a que des connards qui se pètent les poignets ou les chevilles. Alors, dès qu'un mec se pète la bite, bizarrement, ça passionne tout le monde. Oula, dis donc, mon petit monsieur. Il n'y a pas les mains mortes, hein? Excusez-moi, c'est ici la salle pour rupture du frein. Allez-y, entrez, ça a déjà commencé. Ok, cool. Alors... Parfait, tout le monde est au courant que je me suis pété le frein. C'est génial. Donc ça, c'était il y a 3 semaines. Eh, hey, mais ça veut dire que maintenant, c'est bon. Ouais, ma puce, tu veux venir chez moi ce soir? C'est bon, j'ai plus mes règles. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est réparé, quoi. Non, parce que c'est vachement long, 3 semaines sans rien faire avec ta copine. Moi, je vois mon coloc, le max qu'il est tenu sans faire l'amour à sa meuf, c'est 3 heures. Eh, hey, au fait, ça va, t'es vite? Vite fait. Non, parce que moi, je... J'y vais, quoi. Hein, je... Mon vie, hein. Enfin, je fais énormément l'amour. Mmh. Hein. C'est cool. Bon, bah, bon livre, hein. Merci. Ça? Vas-y, j'y vais, chat.